Coucou tout le monde, alors je viens faire le tirage pour les béliers pour le mois d'août 2022. Alors s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour les béliers pour août 2022? Alors on vous dit d'avancer et d'évoluer. Donc encore, hein, on ne regarde plus derrière, il est trop tard. Alors s'il vous plaît, pour les béliers 2022, s'il vous plaît. On pense positive. Ça, c'est vraiment primordial et c'est pour tout le monde. D'accord? L'épanouissement. On fait des choses qui nous plaisent. On s'épanouit. D'accord? Et on se met en connexion avec la nature. Vous savez que la nature a de belles énergies et qu'elle ressource. Voilà. Donc, on avance, on regarde plus derrière, on reste positive. On fait des choses qui nous plaisent et on va passer un petit peu de temps, voilà, dans la nature, dans le jardin, dans les parcs, enfin, où vous voulez, dans la nature. D'accord? Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, les guides pour le mois d'août. On a la victoire. Vous voyez les aidants divins, hein? La nature va vous y aider. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît, les béliers, août 2022. Alors, on va. Voilà. On a la grâce. Et le jugement. Le moi supérieur, d'accord? Ne vous jugez pas. Ne vous rabaissez pas, d'accord? Remerciez ce que vous avez, c'est très important, vous allez réussir. Alors, ensuite, mon tapis bouge. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, août 2022. Alors, on a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. Pourtant, vous voyez, ici, on vous dit qu'il faut penser positif. D'accord? S'apesanter à propos de broutilles. Ne vous retournez pas le cerveau à cause de petits inconvénients. D'accord? Il faut vous contenter de ce que vous avez, ne pas voir le côté négatif en vous non plus, d'accord? On a tous un côté positif. Vous allez peut-être vivre des embûches si vous ne restez pas positif. Donc faites bien attention, d'accord? Ici, on a la page d'eau. Intuitive, sensible, artistique, amicale. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans de nouvelles phases. Capacité psychique accrue. Restez positif, vous voyez, voilà, les choses vont s'arranger. Et si vous avez des problèmes dans une de vos relations, ça va aller mieux. D'accord? Mais il faut que vous restiez positif. Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de trop vous juger, d'accord? Vous n'êtes coupable de rien du tout. Il faut seulement que vous soyez positif et que vous voulez arranger les choses. Si vous acceptez de faire ça, eh bien, vous allez à la victoire. Je pense que c'est ce que tout le monde veut. D'accord? Je pense que c'est ce que vous voulez. Alors, il faut essayer d'aller la chercher, la victoire. Alors, on va demander à l'œil de Lotus. Donc, pour les béliers, pour août 2022, s'il vous plaît. Les béliers, août 2022. Alors, s'il vous plaît, concernant les béliers pour août 2022, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oula, il y en a beaucoup. Alors, on va prendre celle-ci. Bon, allez, on va les prendre quand même. Alors, la femme, les nouvelles, la famille, c'est exactement l'été. Bon,
des nouvelles concernant une femme de votre famille cet été? Le printemps, la mort, ouf. La créativité, des choses qui sont en cours, le karma et la rencontre. Bon, il y a de nouvelles choses qui arrivent concernant une rencontre. Vous allez créer des choses aussi. Alors, ce qui m'embête, c'est la carte de la mort. Mais bon, vous allez peut-être. Alors, la mort, c'est aussi mettre fin à quelque chose. D'accord? C'est pas la mort. Ici, vous voyez, à côté de la mort, je n'ai pas sorti de personnage. D'accord? C'est tout simplement peut-être mettre fin à ce qui s'est passé au printemps. D'accord? Vous allez créer des nouvelles choses par rapport à ça. Ça fait partie de votre karma. Par rapport à une rencontre. D'accord? Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, peut-être que vous avez perdu quelqu'un au printemps. Hein? C'est possible aussi. Mais ça peut être tout simplement mettre fin à quelque chose. Hein? Ok? Alors, pour les béliers, pourquoi la carte de la mort, s'il vous plaît? Pour les béliers, pourquoi la... Fin à vos efforts, vous voyez? Pour les béliers, pourquoi la carte de la mort? Voilà, effort. Vous allez créer de nouvelles choses. Hein? Voilà, vous allez mettre fin. Vous ne serez plus obligé de faire des efforts à tout le temps, hein, voilà. Vous allez créer de nouvelles choses. Alors, est-ce qui est arrivé? Ben voilà, c'est le karma. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, navigation, vous voyez, ça bouge ou vous allez peut-être devoir bouger. La lune, bon, ça bouge par rapport au côté, aux situations difficiles que vous vivez actuellement. Peut-être par rapport à insectes. Donc, dans ce jeu, l'insecte, hein, vous savez de quoi je parle, hein, voilà. Pique-pique. Obéissance. Vous allez mettre fin à ça. Vous allez mettre fin. Vous allez plus obéir, d'accord? Comme vous l'avez fait auparavant. Vous allez dire stop. Hein? Alors, dans les horoscopes, je ne veux pas parler de pique-pique, mais là, malheureusement, on a les insectes. On a les insectes. Les racines, vous allez reprendre pied, d'accord? Et solitude. Vous voyez, vous allez regarder plus loin. Vous allez avoir besoin de moments à vous pour réfléchir, pour vous remettre dans vos chaussures. Hein? D'accord? Voilà, pour vous ancrer. Et on a vu tout à l'heure, hein, en connexion avec la nature. Alors, allez vous asseoir près d'un arbre, hein, voilà, allez méditer près d'un arbre. Allez dans la nature, tout simplement, de toute façon, elle vous ramènera des énergies positives. Alors ensuite, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois d'août 2022, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, ça vaut, là. Alors ici, on a la séparation, vous détachez de tout ce qui vous inquiète, vous voyez? Arrêtez d'être nerveuse, il faut vous détacher de ça. Il faut faire une coupure avec l'inquiétude. Voilà. Et c'est là où vous aurez la chance, vous voyez, une belle opportunité qui va s'offrir à vous. OK? Voilà. Donc, on arrête de s'inquiéter, tout va bien. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. À condition d'être positif. Il faut vraiment que vous appreniez à être positif. Et comme on a vu avec les premières cartes, c'est dans la nature que vous allez arriver à cracher vos énergies négatives. D'accord? Les énergies négatives vont se transformer en énergie positive, en force. D'accord? Voilà. Gros bisous tout le monde.